présidente de l'association Terre d'Adèle. C'est l'association qui accompagne à ce nom la création du jardin partagé dans le quartier du 8 mai 45. Dans le projet de réaménagement du quartier, il y a eu les tours du Grand Pavois qui ont été abattues. Et dans ce quartier, on a besoin de reconstruire un peu une identité et des repères. Et c'est un peu la fonction du jardin, c'est de proposer un nouvel espace que les habitants peuvent s'approprier. La municipalité de Senon a soutenu fortement ce projet en mettant à disposition ce terrain et en finançant l'aménagement avec le bailleur Aquitanis. On vient pour passer un beau moment, pour rencontrer les autres. On vient pour apprendre à jardiner. Alors apprendre à jardiner, c'est apprendre soi, mais aussi apprendre des autres, avec les autres. Je suis senonaise, j'habite dans le quartier du 8 mai 45 et je viens régulièrement au jardin partagé. Le quartier a complètement changé de visage. On y gagne en qualité de vie. On s'entend tous très bien et puis je retrouve le goût des tomates d'avant. C'est un petit peu un retour à l'enfance. Je viens de Senon et je viens souvent ici. Je viens après l'école, le samedi et le mercredi. J'ai appris beaucoup de choses. L'idée, c'est que ce jardin soit partagé donc par des habitants, bien sûr, mais aussi par des associations qui peuvent y développer divers projets. Ce qui est important, c'est qu'en fait, on se retrouve tous ici différents, mais à avoir quelque chose de commun à faire et avoir l'envie de faire ensemble. Rendez-vous rive droite.